d'une amélioration substantielle des pratiques et des méthodes de vote, sans toucher toutefois aux grands équilibres. Je veux que l'administration territoriale soit chargée de l'organisation matérielle et technique, la CENI de la supervision en toute indépendance, la DGE de la gestion du fichier électoral et la Cour constitutionnelle de la proclamation définitive des résultats. Oui, nous avons décidé ensemble la réduction, sinon de la disparition, de toute possibilité de fraude. C'est ce même engagement qui a vu l'adoption de toutes ces mesures correctives par l'Assemblée nationale du Mali en un temps record, avec le triomphe des pratiques démocratiques qui ont permis à la majorité de dire oui au texte et à l'opposition de s'abstenir sans pourtant s'opposer. Le Mali dispose désormais d'une loi électorale actualisée, à même de régir les élections crédibles, transparentes et inclusives. Le bulletin de vote, cette fois-ci, est contresigné par les deux assesseurs de la majorité et de l'opposition. Ces deux assesseurs, plus le président des bureaux de vote, apposent leur signature au verso du bulletin de vote qui contient d'autres informations, notamment celles relatives à la région, le cercle, la commune, le centre de vote et le bureau de vote. Cela signifie qu'un bulletin dans un bureau de vote ne saurait être utilisé dans un autre bureau de vote. L'autre innovation majeure, c'est l'introduction de la carte d'électeur biométrique. Une autre réforme majeure dans le cadre de la modification de la loi électorale est relative à la remise à l'assesseur de la majorité et à l'assesseur de l'opposition du procès verbal des opérations de vote. Ça, c'est une innovation vraiment à souligner parce que cela n'a jamais été le cas dans notre pays. Ensuite, dans le cadre des innovations, nous pouvons rappeler également la délivrance de la population à une certaine catégorie de la population. Je veux parler des détenus qui n'ont pas pu avoir les droits de vote, c'est-à-dire des députés qui sont en détention actuellement, qui jouissent encore de leur place civile politique. Non, les cadres électeurs commenceront à être reçus à partir de la semaine prochaine. Soyez certains, nous serons prêts pour la tenue du scrutin présidentiel le 29 juillet.